veux des crédits FUT pas cher, va sur GoFIFACoin. C'est à moins 5% avec le code CRUXFR. Des crédits fiables et rapides. Le lien est dans la description. Hello tout le monde, c'est Crux, comment allez-vous? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui on va parler des techniques d'achat-revente à faire sur FUT 17. Quand FIFA 17 sortira, les techniques qu'il faut faire pour se faire un max d'argent, les gars. Donc on commence avec la tech 800, la tech 59 et la tech combo. Ce sera les 3 techniques à faire pour commencer sur FUT 17. Pour la tech 800, il faut que le niveau des joueurs soit en or. Le max achat immédiat, le prix maximum d'achat immédiat sera 800. Le style au choix, mais il en faut un, c'est primordial. Et il faut acheter que les joueurs or rares avec style. Donc pour la tech 800, il est préférable que votre joueur ait 7 contrats et au minimum 90 de forme. C'est primordial. Et quand votre joueur est acheté, il faut le revendre à 1100-1200. Pour la tech 59, il faut que le niveau soit or. Le max achat immédiat selon le prix du joueur, par exemple si c'est à la casette, tout dépend son prix. Le style, on n'est pas obligé, il faut faire cette technique que sur les or. La tech 59, il faut chercher un joueur aux alentours de votre budget et il faut descendre le prix max immédiat de 300-400 et spammer jusqu'à en trouver un. Donc c'est vraiment une technique que j'ai beaucoup fait sur ma chaîne, c'est une technique qui marche beaucoup, elle est très très bonne. Ensuite, pour la tech 59, je vous donne un exemple. Par exemple, je veux acheter un joueur à 1300. Au prix max immédiat, je mets 1000 et je spam à 1000 et je le revendrai par la suite à 1300. Donc voilà, c'est comme ça que vous faites du bénéfice. Et pour la tech combo, faut que le niveau du joueur soit en or, le prix max immédiat selon le joueur, pareil que la tech 59 et le style pas obligé. Faut faire cette technique que sur les or aussi. C'est pareil que la tech 59, on recherche les joueurs par exemple de la même nationalité, par exemple du même club ou du même poste à un prix exact. Donc il peut y avoir 100 de différence, c'est pas dérangeant. Pour la tech combo, c'est la même façon de recherche, faut spammer la revente du joueur et voilà. Donc c'est vraiment une technique assez simple et assez rapide. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller acheter un like et à vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire quelle technique vous allez faire au commencement de FUT 17. Les gars, ça me ferait toujours plaisir d'interagir avec vous. Et je vous laisse ici. Les gars, c'était Crux. Ciao, ciao.